Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, M. Ferronoka. Je suis venu à l'IRC News. Chaîne Comment vous avez trouvé cette formation tout arrangement il y a un ministre aussi pour Nakatia Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Je crois que la félicité des Congolais de partout, bah, prenant qui mal en patience, poser l'équipe gouvernementale, les alas qui publiaient finalement. Mais commentaire Nangaï, en tant que citoyen, en tant que je suis légaliste, je suis Nazapé opinion Nangaï, Atta Koubatmoussou, Sapé, Baroupé, Sapé, Yabango, opinion. C'est mon anglais à partager. Mingi Pian dans le bac, n'a CPLIT. Au CPLAT pour la composition et équipe, mais n'a CPLIT Kakapo et Bimi finalement pour faire marcher Pemakamoussou, mais pour l'équipe. Non, Nazan a moi quelques points où on a pour reprocher la publication et à l'équipe. C'est-à-dire, une équipe gouvernementale Oyo Tozeli pendant 2 mois va être finalement publiée à 3 h du matin. Hein? Wana Elima et Liboso, je me suis posé mille et une questions natuna, pourquoi ça devait être communiqué à 3 h du matin? Est-ce que c'était sous pression et que finalement il fallait à tout prix, lorsqu'on a fini, il fallait donner, parce que les Congolais avaient quand même attendu et ils prenaient son mal à patience pour que finalement, lorsque tout aura été fait, que soit, la liste soit rendue publique. Mais, causer la tine à 3 h du matin, hein, pour pas publier, je me suis vraiment ça Mais beaucoup sidéré. c'est pas la première. J'en arrive. Ils avaient et puis est tardif. Mais, Esuka, Etika, bon, sinon alors, Et ça va pénaliser donner une. ligne. Non, mais beaucoup ont attendu jusqu'à ce que, pas Moussous Balali, mais bon, finalement, il fallait, pour les autres comme nous, il fallait attendre jusqu'à ce que la liste, la publication soit effective. Au Naba Erwan. Et puis, des deux. D'abord, observation dans une salle. Dans le dernier paragraphe, il y a ordonnance Balobaraké. L'entrée en vigueur à la date de sa signature. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Date et signature, c'est à qui quand? Pas mentionné de Tant que côté en vigueur, et côté en vigueur, à la publication, n'est-ce pas public, et côté en vigueur. Hein? Il y a une signature, donc la publication, ordonnance, c'est au côté en vigueur, la date et si Tango ou rendre public, ils ont qui erné. Ils ont qui journée, il y a les 28 ou bien les 29. Le 29. Les 29. Ce qui est les 29, à 3 h du matin, ils ont qui déjà les 29. Pourquoi ne pas attendre même à 7 h du matin, ou bien à RTLC, ou bien à 12 h, la journée de Est-ce télévision que et à RND, Voilà, tout activité politique, nous parce qu'on a un peu sa émotion par rapport à sortir, à événements, on a sorti. Kaka. Wana numéro 1, observation numéro 1. Naé, la numéro 2. Liste de 54 personnes. 54. Équipe, il y a 54. Les vice et les titulaires. Oui. C'est trop. C'est trop. C'est trop pour un pays qui se bat pour sortir vers le développement. Développement, ça veut dire dépenser moins et faire entrer beaucoup.
Hein? Et puis, ce que vous gagnez, il faut mettre ça à profit pour que vous développiez les secteurs clés de la vie de la nation. Mais avec 54 membres du gouvernement, c'est un peu de trop. Je vois là-bas encore, il y a le ministère délégué. Dites-moi, un ministre délégué, peut-être ils ont l'idée de le faire travailler comme vice-ministre, peut-être. Mais un ministre près des... Lorsque je vois le ministre délégué, leur travail, c'est quoi? Mais alors, bon, tu ne peux pas faire un ministre près de la présidence. Mais oui, ce sont des gâchis. Apparemment, il y avait tout un ministère en relation avec tous les autres là. Oh, il va pouvoir ça la relais. Pourquoi en multiplier beaucoup? Des ministres, il y a un ministre de justice, il y a un ministre délégué. Ministre de l'environnement qui sait tout faire, vice-premier ministre de l'environnement. Pourquoi en ajouter encore un délégué, un ministre délégué de l'environnement? Dans le service, dans le ministère, ils sont 4 ou 5 ministres délégués. Pourquoi faire? Dans mon pays, l'importance. Il y a des prérogatives, il y a un ministère délégué. Sangisha mona ministre yemoko a assumé ma camionnette. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité il y a qu'au ramener à ta na 40 ou 35 hein, ceux qui 35 exactement pas c'est pour la exigence il y a ba membre, mais il fallait à 40 membres. Ça aurait réduit les dépenses à niveau il y a trésor pour que moi un soufflement mon kezal. Alors que toujours au Québec institution, vous savez que depuis bien longtemps, depuis du temps de Mobutu, les institutions seules, les institutions à elles seules, elles ont 80% il y a budget national. 80%. Je me rappelle d'un livre de Mobutu et l'argent du Zaïre, un journaliste à Sénégal Tangapé à Kenan dans mon Libéral. Donc, 80%, il y a recette, il y a budget national. Ils ont là qui bloqué, utilisé dans l'institution 4. Et la population ne s'est contenté que de 20%. Mais cette politique, de quoi renverser à Moukouni, c'est-à-dire que l'institution, par exemple, vous prenez 100%, 100 millions d'habitants par peut-être, qui sont sur commune, 100 ou 100 millions. Mais dans 100 millions d'habitants, combien sont dans les institutions, combien sont dans la vie des paisibles citoyens? Donc, il fallait qu'on se batte. Peut-être à l'avenir, qu'on réduise sensiblement les nombres du ministère, ça nous épargnerait beaucoup de dépenses. Et puis, il y a des vice-premiers ministres. Il y en a 5. Mais pourquoi seulement il faut qu'ils soient des vice-premiers ministres? Ils pouvaient aussi simplement être des ministres tout simplement. Le vice-premier ministre. C'est-à-dire que les premiers ministres et les ministres, tout simplement, avec des vice-premiers. Le vice-premier ministre de modèle simple. Le VPM. Oui. On vous met, ministre. Pourquoi seulement des vice-premiers ministres? Ça me rappelle l'histoire de 1 plus 4, où il y avait un président avec 4 vice-ministres, vice-présidents. Mais la conséquence, c'est dans les budgets. Donc, c'est là ma plainte. J'ai pleuré dans mon fort intérieur. J'ai dit que ça ne pouvait. Ça dit que. Et qu'on a la bonne moté. Mais il y a un train de vie. Moutouloko a Jean-Pierre Bembazara déjà vice-premier ministre. Moutouloko a vice-premier ministre. Jean-Pierre Liaou. Liaou a Zaka. Si que, il y a un train de bon, ça va, pas qu'il s'engage, ça l'est comme divisé par deux. On l'a dit. Il y a un message où vivre déjà brûlé. Et si matin. Donc, c'est des histoires. J'aurais voulu que Ezala. Une équipe très réduite, et puis ils ont publié
Il y a un journal télévisé, il y a un journal télévisé, il y a 7h, 12h, 13h. Il y a un publié. Le temps de Tien Tshisekedi, nous avons une grande décision à être annoncée à la RTNC à 7h du matin. Un journal télévisé à 7h. Donc, c'est aussi ce qu'il fallait faire parce qu'il faut prendre ce que nous avons appris chez Lévi Étienne et puis nous sommes dans le modèle de Lévi Étienne. Donc, c'est un peu cela. Le regret d'ailleurs, voilà. Oui, le regret d'ailleurs, mais en tout cas, je dis bonne chance à ceux que. Parce que Batouming et Bazar, on a Evi Bamote. Je connais le Kola Liaou, félicitations à lui. Constant Moutamba. Constant Moutamba, oui, je connais. C'est un garçon qui a aujourd'hui ministre, je dis excellence ministre. Il a sa logique à Zakanamo Andengi na Emoko Boué. Opposition n'a qu'à un ministère de la Justice. Est-ce que l'opposition Constant Moutamba, c'est œuvre d'opposition? Non, ça ne dit pas ça. Il n'y a pas une loi qui interdit au président de la République de faire d'un opposant son ministre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi et à moins que, sinon, à quoi qu'on bouille. Mais opposant, opposant régime. Mais oui, ça. Mais dès que est devenu ministre, il veut dire, le plus opposant. Sur le dossier, ils ont la cas pratique. Macron l'a fait. Macron était membre d'une autre structure. Et François Hollande avait fait de lui trop son bien, ministre. Trop bien au débauchement. 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 Dès lors que la personne l'intéressée a ça d'accordé, vous venez de faire le babou le banique, bon, tu nommes un tel. Hein? Par exemple, je donne un exemple. Tu nommes un ministre, mais bien avant, ma solo paye Zalaka. Pourquoi ma bon, ma solo paye Zalaki? Ah oui, bon, okay, ça va, je vais travailler. C'est-à-dire que le chef de l'État a vu en lui, le gouvernement tel que publié, ils ont censé régler le problème de la population. Mais à l'époque, on avait nommé Tshibala Premier ministre, à l'époque, je ne sais pas, Joseph Kabila, avec opposant, et c'est là qui peut guéguer dans ce délit d'EPS. Vous avez escrominé directement pour nos Tshibala. Non, mais oui, parce que Constant Moutamba est chef de sa structure. Hein? Je sais qu'il a eu le temps d'expliquer à sa base et tout ça. Mais Bruno Tshibala était membre dans une structure où il fallait poser les problèmes et il fallait que le gouvernement, ou le chef de l'État Kabila à l'époque, aille poser problème et pas il y a structure où ils aillent gérer Tshibala. C'est ce qui n'a pas été fait. Et Tshibala, Andima Yango, Nandengi Nabangomoko, et sans consulter les partis, c'est comme ça qu'il a été mis à côté, mis chassé du parti. Dès lors que vous acceptez un engagement que les partis ignorent, ok, Libella, c'est fini, vous faites auto-exclure. C'est un peu ça ce qui s'est passé avec aussi Badi Banga et les autres. Merci beaucoup, Florent Noka. Nous, M. Persimso, comment vous avez trouvé profil, il y a un ministre et il y a deux Français, au terme de tout moment, on a Guy Bonavita, on a passé, on a Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si le BMP pourrait se voir dans la carte armée. Bon, pourrait se dans la carte armée. Jean-Pierre Bemba a bien travaillé, seulement les gens confondent. Bilan et Zara Kobuka, je l'aime, n'a pas pu inaugurer maison. Non. Il ne faut pas les réduire de cette manière-là. Bien, je vais te dire que je suis en avocat. L'inauguration, il y a le ministère de la Défense, dans Sayo, et aussi. Quand il est allé. Au Bouka Gélène. À Kenalikasi, pour lancer des travaux, il y a construction, il y a usine, il y a fabrication des armes à Likasi. Je vous informe que nous allons commencer à fabriquer des armes, des munitions et les armes à l'ICAS. Une société américaine et turque nous ont aidés à installer une usine. Bemba Lansakian, vous les réduisez en cela. C'est au-delà de tout ça. Le fait de tenir un ministère, Banda et Bandeli à pouvoir, il y a Manda Nayon au gouvernement, qui aussi dit ça. Ma caméra s'est passé et malamou. En tout cas, il faut dire que oui, il a travaillé. Il ne faut pas les réduire à Babylone, à Miki, Miko, Kobuka, Jelem. Jelem, c'est quoi encore? Oui, bien, on a été en Jelem, c'est quoi?
c'est une pratique dans l'exercice, il y a une prérogative, mais... Et puis, c'est là que le ministère de la Défense a intervenu parce que bateau va croire qu'au Kendekuna, ils ont dit ministère, ils ont dit militaire. Ou ils ont dit qu'au relevé la compétence, il y a ministre de la Défense. C'est comme ça qu'il avait appuyé. Mais sinon, ils ont dit, non, il m'a quand même été. Et c'est d'ailleurs même avec le ministère de l'Urbanisme et de Batenaïkuna. Ils ont sollicité, sollicitation, il y a ministère à l'Urbanisme, mais le coup, ils ont tombé militaire. Il ne fallait pas recourir à la force militaire. Oyo, ministre de la Défense, Bemba. Donc, Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous allez réduire la caisse de transport? Réduire le ministère de transport? Vous minimisez le ministère de transport? Vous pensez que Bemba serait à l'aise dans la défense que plus que dans le ministère de transport? Oui, défense. Mais le ministère de transport, c'est là où il faut beaucoup de rigueur. Ministère de la Défense, c'est un ministère, il y a beaucoup plus, il y a un service. Il y a l'administration, il y a un service. Parce que la tactique militaire n'est réservée qu'au... Et ça va prérogative, il y a un chef d'état-major général. Donc, même vous avez vu autrefois Sylvain, il s'appelle encore comment? Sylvain Moutombo. Sylvain Moutombo était aussi à la Défense, mais il n'a jamais été... militaire ou... Donc, on peut prendre un civil, n'importe quel civil, il entre là-bas, s'il a étudié, il sait faire réguler l'administration militaire et puis corriger ce qu'il y a à corriger en tant que ministre. Mais quand il y a transport, je vous dis, mon ami, il y a même les clés, la clé de la réussite dans une nation, dans un programme, il y a gouvernement. Ceux qui transportent ça ici même malam monter tout en moto à Kokotia s'est arrêté, ils ont problème. Paix à son âme, Ndekonangaï, Chéribin Okende, qui est passé là-bas, il a quand même laissé des traces indélébiles. On peut aussi penser à lui, parce qu'il y a ça qui va commander, il y a un taxi fluvial, tout le monde y paye déjà, moi, Moko, je crois que ça va aider beaucoup pour la mobilité des Congolais. Donc, ministère de transport, Ezali, port Yamatadi, port Yamatadi, construction port Abouma, pardon, il y a banane, Makambo Ezali aviation, Makambo Ezali relèvement, il y a topé, essor, il y a, donc, tout bako sikola, il y a Onatra, Oe Koufi, Onatra, ils ont 17 provinces, et Ndeng Ezali Kala, et Tamou Isabilo, qu'on a l'an, et Koufakal. La Kabylie à Bomani, surtout, finalement, il fallait qu'on relève. Chef de l'État, Pesaki, Bango, Makoki, Bazoa, Moïni Solo, va relancer l'activité à Onatra. Mais malheureusement, Peter, le ministre des Finances, Nicolas Kazali, a bloqué Kibango, il ne sait pas pourquoi, il avait quel intérêt là-bas à l'inviter. Mais je crois qu'avec cette équipe gouvernementale, il faut booster ma Kamboala pour Onatra, ils ont ma soua, il faut pas souma, la Katia Monga, il faut pas souma, il faut pas ça, la Makamo, il faut pas pour qu'il booster. Et l'économie nationale a plus liée à la transport. Je ne sais pas, si vous avez économie, si vous avez le transport est vraiment très important. Il faut réguler le secteur. Merci beaucoup, mon représentant de la Kersé Bissot. Le délégué spécial du gouvernement. Mais on commande la maman qui de ce qu'on a payé pour l'ongulia ministère intérieur au moment où Peter Kazali ou de ce qu'on a remplacé par Jacques-Mel Chabagne. Comment vous avez trouvé cette permutation là? En tout cas, là j'ai vraiment salué, j'ai félicité le chef de l'État. Awa, et ça les Kambouya, il y a Moutounangate, Irungate, il y a les Kambouya, au Tala, il y a objectivité. Ils peuvent se dire vraiment que j'étais ministre de l'Intérieur. Oh. Ou peut-être par formalité, mais na pratique, na Moussala, il dit qu'il a accompli Salim Moussala na ministre de l'Intérieur. Je connais l'entourage de Peter Kazada. Je connais. Dès lors qu'il est comme ministre,
Moi, je me suis retiré de lui. Oh. Je savais que c'est un monsieur qui ne ferait rien. C'est vrai. Là, à la hauteur. Puis je m'étais dit, qu'est-ce qui avait poussé le chef d'État à faire de lui ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur. Là-bas, non, non, non. Connaissant les ministères de l'Intérieur. Moi, je suis fonctionnaire de carrière. Je connais comment est le fonctionnement de l'administration. Je connais des ministères, comment ça se passe dans des ministères. Je connais l'importance du ministère de l'Intérieur. Mon oncle fut bourgmestre et puis administrateur des territoires. J'ai déjà travaillé avec lui comme assistant. Je connais. Je connais le ministère. Mais là, quand tout était ensemble, décentralisation, affaires coutumières, intérieures, tout ça, sécurité, tout ça, là, tout était ensemble. Mais je vous dis que ce n'est pas à la hauteur de Peter Gabriel. Vous avez vu comment, même sa communication posait problème. N'eût été à ses côtés la présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, je crois du côté S à Goma, là. Mais ça poserait problème. Vous terminez une réunion, il faut attendre. Prends le temps de c'est permis aussi. On peut comprendre que non, vous avez un problème de Yakovetini, voilà, et tout ça, mais au salaire, on a papier, le quoi, moi, bloc, aide-mémoire, mon coboy, c'est permis. Mais quand vous communiquez, information aussi sensible, Yamarambo, sécurité, mon coboy. Aux autres, vous communiquez à moi, et le quoi, Anit Moutouzaki, bien que Bazaki n'a pas dit, Bazaki, n'a pas air tardif, c'est moi qui ai dit pour me lancer, mais prenez votre temps. Aux autres, il m'a dit, il faut prendre le temps et à vous communiquer bien. Par communication, nous sommes ratés. Ah. Même à Tata Nazo, il y a un coup d'État, il dit que nous avons été surpris. Les VPM, chargés intérieurs, le Bakazaki, surpris. Nous, nous sommes population de Togo, mais pas lui. Il va être informé. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas. Isaac, n'a hauteur, n'a été ministère intérieur. Moni. Donc, Jacques Chabani. Oui, avec Jacques Chabani, je le connais. Je connais les messieurs. Je connais comment il réagit. Vous avez vu comment il a mené. C'est un avocat aussi. Assez le avocat. Peter Gaza dit avocat. Jacques Chabani est avocat. Mais je connais comment plaide Ndengenini, Nani, Chermani à Fonctionnal. Je le connais. Je connais que c'est un avocat chevronné. Talara est l'obélie, surtout Talara est l'obélie. La communication, vous verrez que. Vous savez que ce monsieur a beaucoup travaillé, même avant, dans le mandat, avant pour Yem Tassimagi, Maramotali, administration, et Maramotali, commission électorale, il y a parti. Sauf qu'on gère la partie. Sep. En tout cas, oui, Seb. Sauf qu'on gère la partie. Ils ont dit, moi, mon avantage, c'est ma casse qui est au long de la poste va opérer sur le niveau national. Merci beaucoup. On a commencé presque à la fin. Il y a juste un spécial gouvernement. Ni de quoi retenir actuellement. Bon, ce qu'on peut retenir, j'ai dit que félicitations à tous les nominés. Ils ont la chance du gouvernement de la population de bien travailler. La population attend. Je dis que la monnaie bimba na transport, mukoko samba na économie, dans le pays, en tout cas, les choses vont aller bien, surtout que Chabani avant l'intérieur et puis la justice. Parce que Constant Mutamba na monnaie que c'est mieux zwana et aussi la et l'autre Yamalunga. Les autres membres là, emboîter les pas, vous salez ma casse nabino pour vous payer ça les meilleurs de vous, Oyo, gouvernement, topé, chef de l'État, Zakozé Nabino, vous payez si confiance, y'a vous salez parmi les membres du gouvernement, vous salez la peine à que vous payez ça les meilleurs de vous pour que les Congolais de partout, pas mon appel que vous salez Moussala, Oyo, Batou Bazali Kozé. Merci beaucoup. Merci.